Est-ce qu'on peut dire que ça va passer dans Vidéo Greg ou le bêtisier de la fin de l'année? Un implant ou un sans-dent? Un implant. Sans-dent, ça c'est pour Hollande. Les deux à la fois, plus un peu plus traditionnel. Bah, TDF évidemment. Facebook. Les deux, mais je dirais plutôt Iris. Dracula. Est-ce qu'on peut faire Tinder un dentiste? Et pourquoi pas faire un French kiss en mangeant des French fries? Fridan. Chico plutôt. Racine dentaire carrée, cube. Dents de sagesse avec le bonheur qui va. La langue de bois. La langue de vipère, c'est trop méchant pour moi. En plus, j'en ai connu. Et est-ce qu'on peut montrer les crocs en croquant à pleines dents à la fois? Brosse à dents plutôt. Sans latex, je suis allergique au latex. Ça dépend qui est le président. Disons que président, t'as le pouvoir, mais t'es obligé de te tenir à carreau. Dissident, tu peux un peu dire ce que tu veux. La critique est facile, l'art l'est moins. Ben c'est simple, si à OLPG je suis à 100% d'arrêt parisien, dans tous les autres cas de figure, je soutiens l'Olympique Lyonnais. Bune ou oreillette? Une bune, c'est quoi déjà? Neutre. Fourvière plutôt, on a une très belle vue de Lyon, je recommande fortement. Bachata, ça c'est trop technique. Mais ma préférée, c'est la kizomba. Alors on peut bien déguster un bouchon lyonnais dans un bouchon parisien. Amine, sauf pour son soutien à Macron. Merci de m'avoir libéré une journée de cabinet. Et vive Dental Espace et DDF.